Et rebonjour tout le monde, on se retrouve après la vidéo des fails sur Metroid Fusion. Oh punaise, fail, ça a l'air continué là. Ah, j'ai plus combien de points de vie, 76 points. C'est pas vrai quoi. Attendez. Je suis allé où? Mais... Je suis allé où? Je vais foncer par là. Ok. D'accord. Ok. Je suis toujours dans le mode fail. Qui se dispute, oh vivement que je déménage. Oh oui, plus que un mois, plus que 20 jours avant de déménager. Oh, génial. Non, mais foutez-moi la paix. Mais c'est pas vrai, je suis encore en mode fail. En fait, pour récupérer de la vie, je vais lui tirer comme ça dessus. Et encore réussir à récupérer les fragments de vie. Voilà. Ouais, percer une ennemie. Donc, ça veut dire en fait maintenant les larmes peuvent passer à travers les ennemis. Donc c'est une fausse bonne idée ce que je viens de faire. Et maintenant on peut monter. Mais vas-y. Bon, enfin s'il saute. Oh non, je suis tombé. Il fallait que je tombe. Hein. Il me fallait. Ici normalement, j'ai pas besoin de puissance. Récupération de santé. Je manquais un peu de santé. Et maintenant, problème avec lui. Ok. Et... Et normalement, je peux aller faire ce que j'avais dit dans la deuxième vidéo. Ouais, deuxième vidéo. Ici. Hop. Avec les bombes de puissance, tout est plus puissant. Hop, je le mets là.
souffle un peu. Parce que moi, j'enchaîne hein, depuis la première vidéo jusqu'à maintenant, j'y joue. Hein. Comment tu as restauré ton rayon de ce plasma? Je n'en espérais pas tant. Peu importe, je suppose que les SAX. Le SAX est lui aussi plus fort. Plus linéaire, car ton arsenal actuel ne peut assurer ta survie. Ouais, j'ai remarqué. Attends, reste un instant, nous avons encore des ennuis. La cause a été identifiée. Une explosion a dépassé le centre de données ARC. Samus, accède au secteur 5. As-tu compris ta mission? Je constate d'énormes dégâts, recherche d'origine. Comme je dis, c'est mieux parce que les terminales de cartes ne prennent pas 3 heures à expliquer des trucs à la con. Ici, normalement, je dis. Ah non, je pense que quand même, ici, il va nous arrêter encore une fois, mais. Ouais, on va même nous arrêter à tous les coups, nous arrête. La situation se dégrade, les dégâts semblent être causés par une créature que les chercheurs ont étudié, baptisée Colo Cauchemar. Nous pensons que ce monstre biomécanique était destiné à des applications militaires. Il doit être une force inouïe, il peut manipuler la gravité X, l'ont utilisé comme route. Il faut absolument localiser et maîtriser le cauchemar. Hélas, je ne peux pas attaquer de sa position. La créature a déchaîné trop la vite avant qu'il ne détruise toute la station. Toute la station? Macho, macho man. Pourquoi j'ai cette chanson? Je suis trop con. Et pourquoi je fais ça, monsieur? J'ai pas besoin de le geler. Quoique lui, j'aurais peut-être eu besoin de jeu. Alors, toi, tu dégages. Je veux plus t'entendre parler. Je veux plus te voir. Je veux plus te sentir. Voilà. On va ouvrir ça. Ah, je me disais, quoi, ça servait à rien? Ben non, en fait, ça servait à quelque chose. Centre de recherche de données est détruit. Vous voyez si vous le voyez. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les monstres subissants qui donnent du rouge ne réapparaissent plus. Et c'est ce qui est super bizarre, c'est que là, il y en a deux qui te suivent qui me donnent du rouge. Donc même si c'était des monstres de base, à partir du moment où ils donnent le rouge, j'ai fait le test une fois. Ça m'a pris énormément de temps parce qu'il a fallu que je farme un monstre jusqu'à ce qu'il me donne du rouge. Et une fois qu'il m'a donné du rouge, ben, il réapparaît. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas ça. Là, vous voyez, normalement il devrait y avoir deux poissons à cet endroit et il n'y en avait plus qu'un. Parce qu'il y en a un qui était en rouge, qui m'a donné du rouge. Et c'est ultra bizarre parce que c'est rare quand des monstres lambda nous donnent du rouge. Mais très rare. Et là, j'ai beaucoup de rouge en peu de temps. Ah oui, cela ne me fait rien. Est-ce que... Ah,
donne rarement du rouge, et là je les enchaîne rouge. Alors là j'ai été à l'instinct, je savais plus du tout où il fallait que j'aille. Apparemment c'était pas mort. Ah non, c'est pas par ici. Vas-y, c'était pas ici. Alors ici on est obligé d'utiliser l'arme comme ça parce que la gravité empêche le tir de missile. Ouais, ouais. Ça marche pas. Mais une fois que son réacteur a explosé. Je comprends pourquoi tu t'as appelé le cauchemar, mon dieu. Avec cette tronche-là. Tu parles d'une arme militaire de dernière génération. Un, ils n'ont pas su se protéger contre les X. Et deux, il est super facile à battre. Enfin, super facile. Ça m'a quand même retiré toute ma vie. Parce que j'avais la barre pleine. C'est fou, bien, ça. Ah, putain. Costume de gravité. Voilà. Et là je suis plus ralenti par l'eau. Et j'avais oublié qu'il fallait prendre de l'eau. C'est pas vrai. Oh mais zut quoi. J'ai mal géré. Voilà. Normalement, il n'y a rien ici. Ou si il y a quelque chose, mais on peut pas passer par ici. Ou enfin on peut passer par ici mais avec une arme que je sais pas encore. Est-ce que ça sert que je finisse ici? Je m'en rappelle plus. Ouais, ça sert à me faire buter, je sens.
comme vous voyez, le rouge, même s'il donne beaucoup, il donne pas toute la vie. Hein. Donc, ça aurait été tellement plus rapide. Ah non, il se protège, il faut... mais il n'y avait pas de passage secret ici. Ouais, je pense pas. Oh putain. Ici, il y en avait un. Non. Il faut viser leur abdomen pour les voir. C'est pas vrai. En fait, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. En fait. Ah, je peux faire du walk. Ah non, ah, j'ai compris pourquoi. J'ai un problème avec mon bouton saut, j'arrête pas de le dire, mais ouais. Il fallait absolument battre les dorés pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. C'était la condition sine qua non de la zone. De retour ici, ok. De l'autre côté, ça y avait quoi? Il y a ça déjà.
Bon, si mon bouton sourd vous déconne bien fonctionner correctement, merci. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Non. Ici, normalement, on ne s'est pas passé de toute façon. Voilà. Ici, il faut passer par au-dessus. J'ai dit faire ça, voilà. Je passe par au-dessus. Non, il ne faut pas passer par au-dessus. Est-ce qu'il y a un... Sachez voir que d'habitude je ne sauvegarde pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, normalement je ne sauvegarde pas. Monter par là et par là c'est fermé. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord. Ma faute. Ok. Voilà. Mais je peux passer maintenant. Et là, c'est quoi? C'est ça comme zone? Ah oui, c'est zone là. Thank you.
commence à fatiguer, hein, ça se voit. Je parle plus beaucoup. Alors, tu as obtenu des missiles plus puissants. Étrange, la base n'a rien dit. Un oubli probablement. Quoi qu'il en soit, tu n'auras pas dû entrepasser le niveau de sécurité 4 à l'avenir. Mais te souviens-tu de le robot de sécurité que tu as rencontré tantôt? Les X sont attaqués aux éléments de son réseau neuronal. Il s'occupe du secteur 6. Plutôt que de spéculer sur les intentions, réagissez vite. À toi de jouer. Samus. On retourne au secteur 6. Le secteur 6 est ma deuxième zone préférée. La troisième, je dirais à quoi? La quatrième. La quatrième, je dirais le secteur 1. Le dernier, c'est pire, le secteur 3. J'aime pas du tout cette zone. Oh, encore un tome. Le bot semble être beaucoup plus puissant que la dernière fois. Le problème m'inquiète, Samus, sois très prudent. Quand tu auras terminé, quitte le secteur Noct immédiatement. Le CX te pourchasse. As-tu compris ta mission? Ne perds pas de temps, est-ce que c'est bien clair? Sir, yes, sir. J'aurais pu aller plus tôt, mais j'avais oublié. Je m'en suis rappelé maintenant. Par où? Sacré parce que je suis en train de réfléchir. Voilà pourquoi on n'arrivera pas à faire avec le time code moins de 2 heures, parce que je me suis perdu, je sais plus par où il faut que je passe. Pas du tout au bon endroit. Je me rappelais pas qu'il fallait passer deux fois par cette zone. Secteur 6, oui, mais où? Où est-il?
je te retourne ici. Donc, tout ce que j'ai fait, ça sera. Par où? Jacques, c'est par où? Bon les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et moi je vais continuer à faire des vidéos en espérant me retrouver mon chemin. Parce que je me rappelle plus du tout. Allez, à plus les gens.